Alors, Madjene, déjà, il faut rappeler aux téléspectateurs que tu as un lien de parenté avec une autre chanteuse hein, très connue dans la musique ivoirienne aussi. Tu es la petite sœur de Afu Keïta. Voilà. Donc, petite sœur, c'est-à-dire même père, même mère ou demi-sœur ? Cousine. Cousine, quoi. D'accord, ok. Il y a des traits de ressemblance, effectivement. Bah, quand les travaillements ont fait sur vous comme ça, là, ça peut monter jusqu'à combien ? Millions des fois ? Ça là, chaque personne n'aime pas de donner son salaire. Donc nous aussi là, c'est notre petit salaire. Non, ça c'est pas une histoire de salaire. C'est pas une histoire de salaire, je veux dire. C'est quelqu'un c'est qui vient te salaire. Donner, oui, quelqu'un qui vient travailler sur toi. Donc le plus haut, le plus grand travaillement, tu as eu ça à hauteur de combien? Le plus grand travaillement, million. Waouh. Comme ça, tu prends le micro, tu commences à chanter, la personne vient te donner millions. Mais qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent que les griottes, vous qui faites de la musique mondaine, vous travaillez d'abord vos bouches avant de prendre le micro? C'est vrai ou c'est faux? C'est pas tous les griottes qui travaillent leur bouche. Mais il y en a qui le font. Moi, je sais pas, mais en tout cas. Mais comme ils abusent. C'est pas toutes si les je griottes. Dis c'est pas toutes les griottes, comme ils abusent dessus. Donc, j'essaye de m'expliquer. Au fait, ce n'est pas une question de laver la bouche. Il faut connaître ton talent. Il faut savoir si tu sais chanter que quelqu'un t'aime. Il y en a même, tu ne sais même pas chanter, mais il t'aime comme ça. Tu vois, même si tu ne sais pas chanter, c'est pas, il y en a qui aiment l'artiste à cause de son... Sa personne. Il y en a qui aiment l'artiste à cause de sa chanson. Il y en a qui aiment l'artiste comme ça. Donc, quelqu'un peut te... Si tu chantes son nom, il peut te donner même... millions, combien de millions à cause de toi-même, ta personne. Mais c'est assez étonnant, Madjene, parce que, bon, je veux dire, tu prends un micro, tu chantes devant des gens, et puis, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un, sain de corps et d'esprit, aller travailler jusqu'à millions sur quelqu'un? C'est bizarre, je veux dire, s'il n'y a pas quelque chose derrière là. C'est étrange, parce que je peux dire que vous aussi, vous êtes dans le milieu coupé, décalé, les... Non, moi, c'était... Les trucs, comme on dit, comment on appelle ça, boucan, ça se fait. Oui, bon, moi, ce qui est sûr, je ne sais pas comment les autres là, on travaille sur les jeunes. Donc, ça se voilà. Fait. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes un artiste, tu es prêt à donner. On vous offre des cadeaux, des bijoux, de l'or, des trucs tout, comme ça. Tout, parce que je vois que tu brilles. Oui. Mais pourquoi vous arborez forcément ce style vestimentaire clinquant, je veux dire, vous les griottes? Vous, les chanteuses mondaines, à chaque fois, vous êtes parées d'or, vous avez plein de bijoux. Ça répond à quel besoin? C'est une façon pour vous de montrer votre richesse ou bien c'est une façon de dire à l'autre griotte, regarde-moi, j'ai plus de bijoux que toi ou j'ai plus d'argent que toi? C'est pas ça, ça dépend. On peut s'habiller en bijoux, en basin, ça porte de l'or, ça dépend. Mais il y a des coins, tu es obligé de te mettre comme ça, ça dépend. Lesquels? Quel coin, par exemple? Par exemple, si tu as une grande danse comme ça, hein? Que les babatiers, tu vois, ou bien les grandes dames de la ville seront là-bas. Toi, on t'a choisi d'aller chanter, mais tu ne vas pas te négliger. C'est ça. On va parler un peu de ta vie privée, hein, voilà. Est-ce que tu es mariée, tu as des enfants, c'est comment? Oh non, je ne suis pas mariée. Tu n'as pas d'enfants? J'ai deux enfants. Tu as fait ça avec qui? Une fille, un garçon. Mais tu as, les enfants là, tu les as eu avec qui? Avec mon ex-mari. Ah, ton ex-mari, il y a affairage. Ton ex-mari. Donc, quand on dit ex-mari, ça veut dire que vous n'êtes plus ensemble. Tout à fait. Faut m'affairer. Il s'est passé quoi? Non, il n'a pas dit ça. Ça aussi, c'est ma vie. Ah, mais attends, Madjene, il faut qu'on sache. Non, si vous n'êtes plus ensemble, c'est ça qu'il y a eu un problème. Tu sais, il y a un moment pour le mari, quand ça ne va pas, tu sais, de partir. Avant que le pire n'arrive. Vous étiez mariés légalement? Oui, légalement. Donc, on a décidé de se laisser. Donc, en ce moment, vous êtes en instance de divorce ou le divorce a été prononcé? Divorce, même en instance de divorce. Oh, d'accord, ok. Donc, il s'est passé quoi concrètement? Je veux dire, c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être qu'on ne sent plus l'amour, mais il y a quelque chose qui fait que l'amour s'en va. C'est toi qui voulais plus ou bien c'est lui qui voulait plus? C'est lui, en fait, les ont dit. Donc, nous, on a décidé, comme toujours, il y a les discussions. Ça ne va pas, on se discute. Donc, on a décidé de se laisser. Est-ce à dire qu'il ne supportait pas ta vie de femme célèbre? Bah, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, ça qui l'a fatigué. Et il a beaucoup écouté la bouche des gens. Tout à fait. Et quand il a décidé de se séparer de toi, tu as réagi comment en tant que femme et mère de ses enfants? Bon, comme tout, avant de faire un mariage chez les parents, on passe. Tout le monde allait expliquer chez les parents. Et on a vu que ça ne va, quand ça ne va pas, il faut savoir partir avant que le pire n'arrive pas. C'est ça. Chacun cherche de son côté. Et les enfants sont où? Avec lui ou avec toi? Avec moi.
Il passe voir ses enfants de temps en temps? Non, il n'est même pas ici, là, aux États-Unis. Ah, d'accord. Mais donc, ça veut dire qu'il a refait sa vie. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite Américaine derrière là-bas qui a fait un travail de fond et puis le monsieur dit, bon, moi, je ne veux plus. Ah, ben ça dépend, mais s'il y a une petite Américaine. Bonne chance. Et puis, elle rit.